Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. On va faire la vidéo, non pas prédiction de personnages, parce qu'on sait, hein, évidemment vous savez, qu'il s'agit de couleurs et de Goku. Bon, on a déjà parlé, basse forme, forme finale, Super Saiyan, etc. On verra bien. Couleur, je répète, mais je pense qu'il sera forme finale direct. Pour Goku, c'est moins sûr, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses en Super Saiyan dans le film. Mais bon, on verra bien. Donc aujourd'hui, on va faire la vidéo prédiction. Enfin, en fait, c'est pas vraiment prédiction, mais... mon avis sur à quoi vont ressembler les portails. Parce qu'en fait, c'est pas une prédiction. Il suffit de prendre les portails de l'année dernière, de faire un peu de correspondance, et on peut trouver globalement les portails de cette année. Hein. C'est aussi simple que ça. Bien que, des fois, il y ait des surprises. Genre, les 7 ans, bah, je m'attendais pas à ce qu'ils mettent 7 LR sur le portail, tu vois. Donc, bon. Alors là, on verra bien, mais il est probable qu'ils mettent simplement déjà tous les LR millions de téléchargements. Bon, on va y revenir. Donc voilà, parce que alors je fais ça parce que du coup, bon bah pourquoi pas, vu que je peux pas faire ma vidéo prédiction, vu qu'il n'y a plus aucun intérêt. Et puis parce que ça m'est beaucoup demandé. Alors, en stream, on me demande beaucoup à quoi vont ressembler les portails, à quoi vont ressembler les portails. Et bien comme ça, je vais vous dire à quoi ils vont ressembler. Et c'est enfin à 80-90%. En tout cas, il y a une grosse partie qui sera d'une manière assez certaine bonne. Mais après, bon, il y a des petits trucs qui peuvent varier. Et ça va vous donner une idée, hein, tout simplement. Alors, je rappelle que sur la globale, il y aura sûrement des soldes hein, sur le premier cycle, mais il n'y aura pas de tickets, évidemment, parce que sur la Jap, il y a zéro promo. Hein, donc, faut pas s'attendre à plus que ça, c'est normal. Mais voilà, il y aura quand même des petites réductions sur les premières multi. Alors, l'année dernière, on avait évidemment Goku Namek et Freezer Full Power de l'arc Namek. Et donc, on avait ces portails-là. Là, on avait Goku Namek, on avait le nouveau Piccolo, d'ailleurs, je vais revenir sur les hors détecteurs aussi. Vous m'avez demandé également. Boutengs, Gohan, donc vous voyez, c'est à peu près chiant. On avait les LR des 3 ans. Bon, assez surprenant. Le DDFGT, Bardock, Goku Namek, Goku Enfant, Goku MF. Et de l'autre côté, bah, c'est un peu, voilà, les équivalents évidemment. Couleur, Metal Couleur, Golden, Freezer MF. Ouais, donc vous voyez un petit peu le fonctionnement. Alors cette année, qu'est-ce qu'on va avoir? On va commencer par le portail de Goku. Wow, c'est beau. Alors, déjà. Concernant, on va revenir après, on va d'abord parler du portail, enfin de l'éventuel portail à quoi il va ressembler, et puis après on parlera du hors détecteur. Donc évidemment, on aura le nouveau Goku, qui est représenté par le PNJ de gauche. Ensuite, on aura le hors détecteur, évidemment, et après il reste 8 personnages à placer, puisque genre, normalement c'est des portails à 10 personnages. Donc évidemment il y aura Goku Namek de l'année dernière, Vegeto de l'année d'avant, et Gohan de l'année d'encore avant. Alors Gohan et Cell, on n'en peut plus. On n'en peut plus, mais ils seront là, les gars. C'est quasiment sûr et certain. Puisqu'en gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'à l'anniversaire, ils vont mettre tous les millions... Enfin, on l'a vu. À l'anniversaire, ils vont mettre tous les LR anniversaire. Alors, à un moment donné, ils vont être obligés d'en virer, mais... Ils vont mettre tous les LR anniversaire. Et millions de DL, ils vont mettre tous les LR millions de DL. Et à Tadabata, ils te mettent tous les LR Tadabata. Bon, d'un côté, pour les nouveaux joueurs, etc., ceux qui reprennent, c'est plutôt pas mal en soi. Faut penser à tout le monde. Donc, voilà, Gohan qui passera cette LR peut-être dans cette célébration ou plus tard. Évidemment, on sera content de l'avoir à fond. Et ceux qui ne l'ont pas seront contents de le dropper. Donc ça, pour moi, les 3 LR, c'est sûr et certain. Même si, bon, encore une fois, je vous répète, au cas où que... Je ne travaille pas chez Bandai. Voilà. Donc évidemment, rien n'est sûr à 100%, forcément, tant que c'est pas garanti. Mais pour moi, clairement, les 3 LR seront présents. Ensuite, Goku de la Golden Week, du DDF Goku SN. Non, c'est sûr et certain, puisque ça a toujours été comme ça. Donc normalement, ça, c'est sûr. Par contre... Là où ça devient moins sûr, c'est ce qui suit. Avec Goku et SJ2. Parce que l'année dernière, ils avaient pas mis. Eh bien, ils avaient pas. Enfin, ils avaient pas mis. L'année dernière, c'était le. Mince. C'était l'équivalent, c'était PQ et Janemba. Parce que cette année, le DDF de Golden Week, c'est Goku, Cell. Et celui juste avant, fin d'année pour la Jap, et nous juste avant, mois d'avril, c'est Goku, Kid Buu. L'année dernière, ils avaient pas mis PQ et Janemba. Cette année, donc, est-ce qu'ils vont mettre Goku et Kid Buu? Je me suis dit, j'espère, donc je le propose ici, mais c'est clairement pas sûr, parce que l'année dernière, ils ont pas mis PQ et Janemba. J'espère grandement qu'ils seront là. Parce que clairement, ça serait vraiment cool. Il y a des gens qui n'avaient pas invoqué, et je peux comprendre, hein, parce qu'après, il y avait l'autre DDF qui arrivait derrière. Donc ça serait vraiment bien de les remettre maintenant. Goku et Kid Buu, ça serait vraiment très très cool, donc j'espère qu'ils seront là. Ensuite, j'ai mis PQ et Janemba, parce que comme... On est quand même sur un DDF film, quoi qu'il arrive, même si on n'a pas encore le thème de la célébration réellement, on a juste l'identité DDF. Je me suis dit, PQ Janemba, il y a moyen, peut-être. Alors ça, vraiment, les LR, Goku puissance, pour moi, ça c'est sûr. Goku endurance, déjà, c'est pas sûr. Et après, le reste,
Bon, c'est pas certain, mais à mon avis, ça va être plus ou moins ça, hein, Goku Namek, Bardock, je vais y revenir. Mais je pense qu'il y a de grandes chances qu'il soit là. Mais vraiment, ce qui est sûr, c'est vraiment le début, ça, c'est mythe acté. Le reste, on verra bien. Donc PQ, encore une fois, parce que DDF film, je me suis dit, ok, bon, ça peut le faire. Et derrière, on a Goku Namek, évidemment, parce que bon, même si c'est Goku sur Namek, bah, on a le Goku Super Saiyan, hein, voilà, donc évidemment Transfo, qui va peut-être passer ZTR dans cette célébration, et donc ça serait l'occasion de la voir sur le portail. Et Bardock, pour faire une correspondance avec Bardock Couleur, comme l'année dernière, hein, vous noterez. D'ailleurs, l'année dernière, il y avait déjà Goku Namek et Bardock sur les portails, et de l'autre côté, de la même manière. Mais comme le thème, quand bien même, c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Puisque c'est le film, c'est pas l'arc Namek. Eh bien, c'est quand même un Goku Super Saiyan 1, et en face, on a du Couleur. Donc évidemment, Couleur, bah, tout ce qui est lié diabolique, c'est lié de près ou de loin au personnage. Donc voilà pour le premier portail. Alors me concernant, ce portail serait compliqué quoi qu'il arrive, parce que Goku Namek est 100%, parce que évidemment, comme j'ai beaucoup invoqué pour les SSJ4, il est passé 100%, c'est dommage, mais bon. Voilà, Végéto, pareil, Gon et l'air, bon alors lui, bon, il est 100% depuis longtemps. Goku, bah, je suis très content d'avoir des doublons, j'en ai pas. Pareil pour le deuxième, PQ 100% et le reste 100%. En même temps, c'est des persos quand même assez anciens, mais malheureusement, faut pas croire qu'on aura beaucoup mieux que ça hein, au niveau du portail. Au niveau du hors détecteur, eh bien, alors c'est con à dire, mais il est probable que ça soit un Piccolo, hein. Parce que dans le film Couleur, bah en fait, à part Piccolo, il n'y a pas grand monde qui fait quoi que ce soit. Finalement, Krillin, bon, il se fait rec par Sauzer très très vite. Et puis Gohan, bon, bah il va chercher le Senzu, mais sinon, pareil, il se fait défoncer très vite. Donc, je vois mal faire ces personnages-là. Alors que Piccolo, il y a quand même un combat avec Sauzer, donc vraiment, je pense que ça sera Piccolo. Alors, comme l'année dernière, certes, mais c'est pas le Piccolo du même moment. En soi, c'est pas le problème. Le vrai problème, c'est qu'il s'appelle Piccolo. Et donc, ça veut dire que, eh ben, même nom que tous les autres Piccolo, et donc c'est chiant. Voilà. Après, si c'est un Piccolo qui est très très bon, qui a un support, qui s'auto-suffit, qui apporte quelque chose à la team, ça peut être cool. Mais juste, c'est chiant, il s'appelle Piccolo. Et il faudra vraiment qu'il fasse une mage par rapport à ça un jour, pour changer, parce que c'est chiant. Parce que tous les Piccolo s'appellent Piccolo, donc tu peux pas les jouer ensemble. Et donc, bah, ils sont un peu tout seuls, et c'est un peu pénible. Mais malgré tout, il est très probable que ce soit Piccolo. Alors certains vont me dire, oui, mais peut-être ça sera Piccolo Gohan. Mais c'est pas mieux, en fait. Parce que si c'est Piccolo Gohan, ça veut dire que tu retires la moitié des catégories au personnage. Les liens, pareil, ça va être un truc bizarre. Donc c'est pas une bonne chose. Hein, parce qu'un perso Joe, il a les catégories en commun des deux persos. Donc on va se retrouver avec un perso qui a limite encore moins de catégories. Donc c'est pas forcément une bonne chose en soi. Donc très probablement un Piccolo, parce que je vois pas quoi d'autre. À moins qu'il parte sur un TR qui n'est pas lié directement au film. Ça m'étonnerait quand même, donc bon, on verra bien, mais c'est probable que ça soit Piccolo. Alors on va passer au portail extrême les amis, donc bon, avec ce que je vous ai proposé là, vous pouvez assez aisément imaginer le portail extrême, hein, forcément. Donc on a Couleur qui sera certainement forme finale, on a le hors détecteur, on a Freezer LR évidemment qui vient ici, Boutenks, Cell, le trio, Cell AJ qui vient d'autre côté évidemment, Kid Buu forcément, Genemba, Metal Couleur et Couleur Puissance. Voilà, évidemment, assez logiquement. Au niveau du hors détecteur ici, bah, je pense que ça sera Sauzer. Clairement, pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions, ça sera Sauzer. Qui n'a pas... Enfin, il y a un Sauzer, mais une fois éveillé, c'est la team commando machin. Donc Sauzer tout seul. Sauzer tout seul, je pense que c'est clairement... C'est très très probable que ça soit ça. Pourquoi pas, en soi, ça peut être sympa. Au niveau de ce portail-là, me concernant, Freezer, un seul doublon, Boutenks 100%, Cell 100%, Cell avec plaisir des doublons, Kid Buu pareil, Janemba 100%, et le reste évidemment aussi 100% des persos quand même assez anciens, donc ce portail serait un peu meilleur pour moi vu que j'ai pas le Freezer ici à fond, mais globalement c'est pas évident non plus. Bon, après c'est comme ça, c'est le jeu, on n'y peut rien. Donc voilà les amis, je pense que vraiment ça va ressembler très probablement, très fortement à ça, en tout cas il y a une bonne moitié c'est sûr et certain. Enfin, pour moi en tout cas. Après l'autre moitié, c'est de l'ajustement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si on n'a pas Metal Couleur et Couleur, faudra pas espérer des personnages beaucoup mieux. Quoi. Hein, dans tous les cas, je m'étais dit peut-être Broly qui va traîner là. Peut-être Goten et Trunks, vu que c'est des persos film. De l'autre côté, bon, on verra bien. Mais faut voir après. Pareil, Metal Couleur qui va sûrement passer ZTUR. Certains espèrent le ZTR de Couleur Puissance. Mais je trouve ça vraiment très tôt. Et c'est vraiment chaud parce que avant Couleur, quand tu regardes un peu chronologiquement. Il y a quasiment 15 persos qui sont en dessous lui en fait, en termes de date, et qui sont pour la plupart limite, voire intégralement moins bons que lui. Donc j'y crois pas trop, même si c'est vrai que des fois ils font des trucs un peu décalés,
je sais bien, avec Goku Freezer notamment au 6ème anniversaire. Mais bon, quand même. Hein, y a Metal Cooler déjà, il y a Metal Cooler, il y a Goku Namek. Pour le côté super. Donc vraiment, je ne pense pas qu'on aura couleur puissance ZTR. Alors moi, j'aimerais bien, hein, c'est pas le problème. Mais je ne pense pas. Franchement, je pense pas. Voilà les amis, on va pas faire beaucoup plus long pour cette vidéo, hein, c'est pas nécessaire. Donc voilà pour moi à quoi vont ressembler les portails. Encore une fois, faut bien comprendre que ça va ressembler en grande partie à ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, bah vous, du coup, ce que ça va donner pour votre box. Et puis, vraiment, mon espoir là-dessus, c'est qu'on ait vraiment le DDF Goku Kid Buu, mais c'est vraiment pas sûr, hein, mais j'espère qu'ils vont le mettre. Ça serait vraiment cool, parce qu'autrement, c'est quand même un peu chiant, quoi, de, je sais pas ce qu'il va se retaper à la place sinon, mais... Genre, j'ai pas mis Goku MF, Freezer MF, hein, mais il y a un monde où ils les mettent, hein, clairement, mais ils étaient déjà là l'année dernière. Donc, j'espère que non, mais c'est pas impossible, mais j'espère qu'on les aura pas. Clairement, à un moment donné, c'est un peu overdose, même s'ils sont pas ces acteurs, ils sont très bons. Mais il y en a un petit peu marre quand même, hein, donc on espère autre chose. Voilà. Bah écoutez les amis, on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt. Salut !